Oh, God, I got. Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sundaylog et on est parti, on va l'ensemble, enfin Sundaylog. En fait c'est plus vraiment des Sundaylog, hein. On va se le dire clairement, ça fait 2 semaines à peu près que ça va sortir un lundi. Pour le coup cette fois-ci c'est pas de ma faute les gars, faut se dire un truc, c'est que cette dernière semaine j'ai fait que stream, vraiment, twitch.tv Gotaga, je fais ma pub en même temps. Vraiment j'ai stream limite tous les jours, donc un peu de tout, du H1Z, hein, du Call of Duty, un petit peu, hein. Un poco, tu vois, du League of Legends, voilà, vraiment de tout. D'ailleurs, faut que je me prenne Rocket League aussi, parce qu'il paraît c'est vraiment un jeu fun à faire en live, etc. Et je me suis fait engrainer. Je me suis fait engrainer pourquoi? Parce que la nuit du samedi au dimanche, je devais me coucher vers 2h du mat, tu vois, un truc normal, etc. pour un gamer. Ensuite, enfin non, je devais arrêter mon live plutôt à 2h du mat, tu vois, tranquillement, tranquillamente. Ensuite, je devais vous faire mon Sundaylog pour qu'il sorte tranquillamente le dimanche à 14h. Pas de retard, Gotha parfait, Bibi parfait, voilà, tranquille. Sauf que je me suis fait engrainer, les gars. En temps normal, c'est moi l'engraineur. En temps normal, c'est moi qui dis hey, Nani. Ouais, on va prendre l'exemple de Nani, parce que vous le connaissez tous, Nani. Ouais, Nani, allez, une petite dernière. Tiens, avec les petits yeux de bichon, tu vois. Allez, une petite dernière, Nani, on va pas partir sur une défaite quand même. Tu vois? Allez, Nani, tu vas pas partir sur un 0-20 en jungle quand même, tu vois. Non mais vraiment, en temps normal, c'est moi qui engraine les autres. Et bah là, je me suis fait engrainer par mes viewers en plus de ça. C'est-à-dire que c'est mes connards de viewers là cette fois-ci. Oui, vous êtes des connards les gars qui m'ont engrainé. Bah, ça c'est mon réveil, en temps normal, je me réveille à cette heure-là les potes. Non mais voilà, du coup, je suis matinal le lundi et je me suis fait engrainer par Samish, par mes viewers. À 2h du mat, ils m'ont fait, ouais, une dernière, Gotha, tu vas pas partir comme ça. Je te suis depuis 14h en live, oui, parce que, hé, j'étais parti à 14h, hein, j'avais commencé. Wow, il y a du monde là. Mais bon, je vais les défoncer, regardez, hop, un petit dash. Hop, un autre dash, hop, un autre dash, j'ai demandé. Hop, un autre dash. Bon, pas de dash, tant pis. Ok. Non mais là, on va te défoncer avec le dash. Ok. Non, j'ai commencé mon live à 14h, à 2h du mat, voilà, je devais partir. Et non, ils étaient là, ouais, non, Gotha, tu veux pas partir sur ça. Allez, un petit... On était sur la chance Z1, allez, une petite dernière, vraiment, Gotha. Oh, je te suis depuis 14h, tu vas pas me faire ça quand même. Je me suis abonné à ta chaîne, Gotha, quand même. Oh. Et du coup, bah, ils m'ont engrainé. Arrive à cette heure du matin, je me suis pris un café. Parce que c'était parti pour la nuit blanche. Et puis là, ils savaient qu'ils avaient gagné. À partir du moment où j'ai pris mon café, ils savaient que j'avais gagné. Ah là, les petits salauds. Bref, du coup, c'est pas de ma faute, les potes. Vraiment, je me suis fait engrainer. Je suis rentré dans. Putain, ça me fout le seum d'ailleurs d'en parler. Enfin, ça me fout le seum. D'un autre côté, je suis content parce que je sais qu'en ce moment ça vous fait plaisir que je stream pour les personnes qui sont souvent sur mes streams. Après, il y en a certains qui regardent Sundaylog et qui sont jamais sur mes streams. Ça me botte les couilles des streams. Et puis, je peux comprendre. Voilà, en plus, en ce moment, vu que bah, j'ai pu en profiter pour faire un petit break, un peu souffler, c'est pour ça que je vous fais beaucoup de League of Legends, beaucoup d'H1Z en stream et peu de code. Parce que voilà, vu que je joue à code toute la saison, et en plus, là, je vais sûrement reprendre si vraiment je peux reprendre avec un bon roster, etc. Et du coup, bah, vu que je vais faire que du code ensuite, là ça permet de changer un peu, de souffler un peu sur d'autres jeux, plus tirer côté fun que vraiment compète tryhard. Mais du coup ça me fait plaisir et ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Donc c'est plutôt cool par rapport à ça. Et puis bah vous inquiétez pas, on va reprendre de plus belle sur Call of Duty une fois que j'aurai trouvé un roster, tout simplement. Bref, ceci étant dit les copains, du coup maintenant on va plus trop appeler ça Sundaylog, on va juste dire log et devant on mettra le jour, tu vois, à déterminer log, voilà. Bref, donc par rapport au nouveau roster, parce que j'ai une question, enfin franchement j'en ai tout le temps des questions. Pourtant je précise dans mon Sundaylog, hein, dans combien de temps sera fait, hein, mais il y a même des dons, il y a même des gens qui me font du chantage en dons, qui me font écoute, je te fais un don de 100€, oh là là, dis-moi que c'est vrai si tu me dis au moins un nom de ton prochain roster. Vraiment, hein, les mecs ils sont farfelus, je te jure. Et du coup bah voilà, comme je vous ai dit dans les précédents Sundaylog. Non mais non, c'est pas avec ton arme de merde là que tu peux me tuer là. Non, faut que je revoie ça. Regardez, mais en plus c'est moi en lui tirant dessus qui lui remet droit son viseur, quoi, c'est n'importe quoi. Bref, et du coup ouais non, pour l'instant il y a rien de fait encore, ça se trouve je resterai en stand-by toute ma vie parce que ça se fera pas au final. Mais voilà, là Gfinity est fini, c'est les phases qu'on gagne. What? C'est les phases qu'on gagne. Non. Ah, dommage, j'ai failli être défoncé. J'aime bien cette arme, hein, la STG, ça me rappelle un peu Call of Duty 2, parce que moi je vous rappelle que j'ai commencé Call of Duty, que j'ai aimé cette licence grâce à Call of Duty 2, et grâce notamment à cette arme par exemple qui était sur Call of Duty 2. Bon, c'est un peu différent sur le jeu, mais bon. Mais bon, ça me rappelle un peu tout ça.
Voilà, et bref, donc par rapport au nouveau roster, ça arrivera quand ça arrivera, si ça arrive tout simplement. Et puis là, je vais surtout vous parler de la Gamescom, parce que si je me suis levé aussitôt, bah déjà c'est parce que j'ai fait une nuit blanche à cause des engraineurs, hein, qui m'ont empêché de dormir la nuit du samedi au dimanche. Et du coup là aujourd'hui je me suis levé putain de tôt, parce qu'hier je me suis couché à 21h-22h, tu vois. Et je vous cache pas que j'avais pas du tout la foi de faire un Sunday Log hier à 21h-22h, ça aurait été yo tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sunday Log. Vraiment j'aurais été zombie, tu vois, zombie vraiment. Mais voilà, du coup là on est lundi, dans quelques heures je vais aller prendre mon train pour la Gamescom. Je vais pas y aller longtemps, je suis pas quelqu'un vraiment qui aime bien le... En fait non, en temps normal j'y serais allé toute la semaine, du lundi jusqu'au dimanche. Si s'il y avait pas toute cette histoire de roster etc qui arrive prochainement etc, tu vois. Mais là je vais vraiment y aller que de lundi à mercredi. Pourquoi? Bah alors lundi, bon c'est aujourd'hui, donc je prends mon train, j'arrive tranquillement, je découvre l'hôtel, bref. Ensuite, demain, mardi, je vais pouvoir vous enregistrer du gameplay. Donc, qu'est-ce que j'appelle enregistrer du gameplay? Bah, sur Black Ops 3, donc j'aurai pas ma scuff, etc. Mais je pense que je pourrais vous enregistrer de bons trucs. Donc, j'aurai contre des youtubeurs, contre des journalistes, contre des trucs comme ça. Quoique, peut-être que demain, c'est déjà ou. Ouais, bah oui, c'est ouvert à tout public. Donc, peut-être que j'aurai contre n'importe qui viendra tester le jeu. Des joueurs lambda, des un peu tout. Donc, je pense que je vous produirai du bon gameplay. J'essaierai de trouver vraiment toutes les nouveautés qu'il y a par rapport au précédent. Enfin, je pense que ça sera plus un. À titre comparatif en fait, je vais essayer vraiment d'utiliser par exemple si un nouveau truc même que j'aime pas forcément, un nouveau couteau tactique, bah, j'essaierai de jouer avec pour voir ce que ça donne. Non je rigole, hein, vous ne verrez jamais jouer au couteau tactique les gars. Mais il y a eu un peu de louche là, on va dire que c'est à cause du bombardement hein, les gars, on va dire ça, hein. On est des vrais frérots. Hein. Non mais voilà, j'ai vraiment essayé de voir tout ce système de dash chelou etc. Qui... Ah d'accord, en fait il est là-haut en train de camper. Je cherche son corner depuis tout à l'heure. Ils font peur les clowns en ce moment. Ah les clowns là, tout à l'heure j'ai fait une game d'ailleurs, genre on atterrit sur une map où d'un coup t'avais des bombes entre les mains, vraiment des bombes, des vrais. Donc c'est un peu bizarre pour être honnête avec vous. Hein. Bref, je vais vraiment essayer de vous montrer tout ça dans le biais de mes gameplays pour que vous ayez vraiment une bonne idée d'un joueur compétitif. Et puis bah je vous uploaderai ça dès que je reviendrai, donc, genre jeudi etc. Et ensuite mercredi il y a des showmatchs avec 8 joueurs un peu de partout. Donc il y a des joueurs allemands comme Kiwi, il y a des joueurs américains comme Tipeee ou Merck, il y a des petits Frenchies comme Gotaga, tu vois. Non mais voilà, il y a un peu tout le monde, on fera des équipes un peu comme au foot en cours de récréation, tu vois. Tu sais quand tu choisis, quand tu dois faire ton équipe et que tu choisis en général, il y a toujours le rouquin que personne veut dans son équipe et du coup personne le prend, tu vois. Ou le prend par défaut. D'ailleurs, c'est le stéréotype, hein, là les gens vont mettre pouce rouge, moi je suis rouquin et je comprends pas pourquoi t'as dit ça. Non mais voilà, c'est une petite boutade, le prenez pas mal, mais c'est histoire de faire un peu rigoler, tu vois. Vous comprenez bien le stéréotype. Et j'espère ne pas être le petit rouquin dans le coup. J'espère ne pas être tu sais, parce qu'en fait les deux capitaines ce seront Kiwi et Tipeee. Déjà pour répondre aux trolls par rapport à ça, parce que certains ont dit ouais Kiwi mérite pas, pourquoi les capitaines d'une équipe, ils auraient dû mettre un autre joueur américain. Faut dire un truc les gars, c'est que les Européens en général, même la plupart qui sont invités là, que ce soit Kiwi, même Kiwi, j'ai toujours agi sur sa connexion online, mais j'ai toujours dit que c'est un putain de bon joueur Kiwi, clairement. C'est un putain de bon joueur. Et le truc c'est qu'en fait, les Américains les gars, c'est pas les meilleurs au début des jeux. Hein. En début des jeux, les Américains ils sont nuls. Hein. Ils sont comme vous et moi les gars. Enfin, en gros, les joueurs américains en début de jeu, bah on peut largement les défoncer en fait. Ça vous comprenez pas, les Américains sont bons après en fait. Dans l'apprentissage on va dire, vous savez c'est les mecs assis au premier rang en classe et qui écoutent bien le prof de français, tu vois, et qui te balance parce que toi t'écoutes pas, t'es au fond de la classe, tu vois. C'est ça les joueurs américains les gars, vraiment. Mais non, putain. Et donc du coup c'est à dire qu'un Kiwi, je vous dis honnêtement, je pense qu'il sera meilleur là en début d'un jeu qu'un Tipeee par exemple, vraiment. C'est à dire, bah, un exemple par exemple, l'année dernière, les showmatchs qu'on a fait à la Gamescom justement sur Advanced Warfare, et Vitality, on défonçait tout le monde les gars, hein. Elle demandait à Reskin, etc. On défonçait tout le monde, toutes les équipes américaines, n'importe qui. Hein. Après, t'avais des joueurs américains très bons en début de jeu, par exemple comme Enable. Mais sinon, même les Jerd, ils étaient en. On rappelle, Jerd contre nous, il était en 9-40. On croyait que c'était Samish en fait. Et non, c'était Jerd en fait. C'était Jerd qui était en 9-40 contre nous. Et c'est un peu comme tout le monde, tu vois. Genre. C'est-à-dire que après Jerd par contre, dès que le jeu est sorti et qu'il a bien ce côté, bah Jerd il te défonce ta maman, hein, il te déchire tout. Hein. Vraiment. Bah, c'est comme ça les potes. Il y a des joueurs qui sont bons en. Qui s'adaptent très vite au jeu, il y en a d'autres qui sont forts ensuite après avoir bien appris leur leçon. Et les meilleurs en général c'est ceux qui sont bons dès le début et en plus qui ont bien appris leur leçon. C'est le meilleur mélange possible. Et du coup, bah je vous dis honnêtement, un Kiwi, ça va défoncer les mers, vous allez voir.
Moi limite j'ai envie d'être dans l'équipe de Kiwi, vous verrez. Moi j'ai envie d'être dans l'équipe de Kiwi. Kiwi, si t'écoutes cette vidéo actuellement, choisis-moi dans ton équipe mec, en premier. J'ai pas envie d'être le rookie en dernier, tu sais, quand tout le monde va choisir son... Moi je prends Merc, moi je vais prendre lui là-bas, je le connais pas mais je le prends. Et tu sais, toi t'es Gotaga et tout le monde va te dire... Et tu sais, les deux capitaines ils seront là, bon. Bah j'ai pas le choix, hein, Gota je te prends. Ah, j'ai vraiment pas envie d'être dans ce rôle, hein. Ce sera la honte, vraiment ce sera la honte. Bref, donc il y aura Kiwi, il y aura Tomé, il y aura du Tipeee, il y aura du Merc, il y aura pas mal de bons joueurs. Et du coup on fera un show match pour voir à peu près ce que ça donne ce jeu côté e-sport. Donc là on les a un peu déchirés quand même, là on les a un peu déchirés, faut dire ce qu'il y a les gars, on les a déchirés. Donc on verra ce que ça donne, j'espère que les équipes seront équilibrées pour vraiment qu'on voit bien ce que ça donne en bah, voilà, deux bonnes équipes qui s'affrontent, etc. Bon après ce sera pas les règles officielles, ce sera pas les règles finies, mais ce sera déjà quelque chose de bien, donc j'attends de voir ce qui va se passer. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je me rends à la Gamescom surtout. Donc pour vous enregistrer du gameplay, pour faire ce show match, donc je tweeterai les liens par rapport à ça. Et aussi, qu'est-ce qu'on saura à cette Gamescom? Il y a plein d'infos qu'on saura, par exemple, le jeu, est-ce qu'il sera moins 16, moins 18? Treyarch, je vais donner toutes les informations. Est-ce que finalement ça va vraiment aller sur PS4? Est-ce que le partenariat Treyarch sera toujours avec MLG et Xbox, ou est-ce que ça va être avec Sony? On saura toutes ces informations là, et du coup c'est pour ça que cette Gamescom est très importante, en tout cas pour Call of Duty. Et moi je vous cache pas que j'y serai un peu en mode pony trick, c'est-à-dire que... Je serai pas un vrai gamer quand je serai dans cette Gamescom, c'est-à-dire que je vais pas aller dans tous les salons tester tous les jeux. Non, je vous cache pas que là je vais y aller ces 3 jours essentiellement pour Call of Duty, et je vous donnerai toutes les informations que j'ai pu recueillir ensuite sur ma chaîne, tout simplement. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'allais me lancer dans une nouvelle game, mais au final j'ai pas de nouvelles choses à vous dire parce qu'il n'y a pas de nouveau roster, il n'y a pas de nouvelles choses comme ça. Donc merci à tous de me suivre en ce moment sur mes live streams, ça me fait énormément plaisir. Je rappelle twitch.tv/gotaga, je sais que ça vous fait plaisir, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'abonnent, etc. Et donc ça me fait chaud au cœur, les gars, ça me fait chaud au cœur. Et puis les engraineurs là, mettez un commentaire, le premier engraineur qui verra cette vidéo, mais un j'aime si t'as fait partie des 700 connards de la nuit du samedi au dimanche qui ont fait que ce Sandelog est en retard. Et je veux voir ces 700 connards appuyer sur le pouce vert, les gars, d'accord, pour que le commentaire soit au top, pour dire, pour montrer aux autres qui n'étaient pas présents, qui ont pas eu cette chance, on va dire. Le mec a trop la grosse tête, ouais, qui n'ont pas eu cette chance d'être à mon live, voilà, que c'était pas ma faute, et qui doivent mettre un pouce vert à ce Mandelog maintenant tout de suite, voilà, tout simplement. Non, mais je rigole, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, et puis normalement, j'aurai plein de contenu à vous proposer à partir de jeudi, tout simplement, sur des bons commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudrez voir en sujet par rapport à ces commentaires, tout simplement. Sur ce, c'était Gotaga, j'espère que vous avez kiffé, je vais me préparer pour partir, et puis je vais vous uploader cette vidéo, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, tout simplement. Je touche les gens.